Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h13. Let's go! Allez, on va se mater la petite vidéo de Guillaume Cassard sur Prometheus et tout. Comme ça, on va voir à quel point. En fait, cette saga Alien est maudite. Hein, on va pas se mentir. Je pense que si tu fais un épisode de la saga et que en soi ta production se passe bien, quelque part, c'est pas un vrai alien. Fais gaffe, je serais capable de t'imiter. Petit Astro, une nouvelle fois, hein. Depuis le début de la run alien, on te dit de viendre en live et tout pour se mater le film avec nous. Il te reste plus que 3 films, hein, frère. Enfin non, plus que 2. Il te reste Alien Covenant et Romulus. Donc du coup, il y a un moment, en fait, il va falloir lâcher ton équipe de water polo. Pardon. J'ai une question. Parisien, t'en as oublié un, Shizer. J'en ai oublié un. Attends, la question de Cyril, c'est ensuite tu me dis. Pardon, je vais pas interrompre, mais finissez d'abord, j'ai ma question après. D'accord, j'ai oublié quel film, Pipi. Le nanar Alien Predator. Ouais, il compte pas. Alien vs Predator. Non, mais il compte pas, c'est un film Asylum. C'est Thomas, du coup, à toi. Comment ça marche les compteurs de vues là? Vous êtes plus sur Kick? Alors, on a un ban temp d'un mois sur Kick. Il y a deux options. Qu'est-ce que t'as fait, la première, c'est la commu de Pierre qui se vantait de faire du mass signal et tout sur notre chaîne depuis Twitter et tout. Sur Twitter, ils s'en vantaient. Qui aurait pu mener à ça. La deuxième, c'est à cause de ma commu. Parce qu'en fait, il faut que je te raconte un petit truc. Kick n'a toujours pas les outils nécessaires pour des modérateurs ou pour les streamers pour travailler convenablement. Cependant, ils ont rajouté un bot modérateur dopé à l'IA. Et en fait, il est un peu trop vénère. C'est-à-dire que par exemple, t'écris Koon pour Raccoon, si tu veux. Lui, il comprend Koon pour l'insulte anglo-saxonne. Anglophone. Donc du coup, le soir où ma communauté a découvert qu'en soi, il y avait un bot qui était bien vénère au niveau automode, ils ont tous testé d'écrire Koon sur le putain de chat. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, les raisons que Kick nous ont données pour le ban thème d'un mois, c'est discours de haine, et dans les discours de haine, il y a racisme et toutes ces conneries, xénophobie et tout le bordel. J'en tiens pas, moi, malheureusement. Je dois être le seul droitard en live qui fait pas ça, mais bon, soit, pourquoi pas. Mais du coup, quand on a regardé le replay, en moins de 10 minutes, il y a eu 200 itérations de Koon. Et le ban temp, il intervient moins de 48 heures après. Ouais, mais c'est pas la faute de la commu, hein. Jarod, il veut que je vous défende. D'ailleurs, il y en a un autre qui veut me bouffer le fiac, hein. Il l'a dit sur le chat. C'est les Viat, c'est ça? Ouais, c'est les Viat. Ouais. Non, t'inquiète, c'est les Viat. C'est normal, c'est purement sexuel. On est combien en live? Là, exactement. Alors là, parce que je vois qu'il y a 121 sur YouTube, 103 sur Sovo, sur Trovo. Et il y a Twitter en plus, c'est ça? Il y a Twitter, mais Twitter, soyons honnêtes, le compteur. Est-ce que t'as vu ce qu'il a fait Musk pour faire croire qu'il y avait des gens qui regardaient les lives sur Twitter? Le compteur qu'il met, c'est pas le compteur de viewers simultanés, c'est le compteur de viewers total. C'est comme si YouTube, il t'affichait le nombre de vues de ton live au lieu de t'afficher le nombre de viewers simultanés. Voilà, il s'arrange pas, lui. Hein. Ah ouais, non, il s'arrête pas. Petit Astro, bon, tu sais quoi, je viens quelques minutes. Non, tu viens pour la soirée, genre peut-être dimanche prochain et tout. On a dit un invité par soir. Tu te calmes, petit Astro. Du coup, voilà. Allez, on est parti parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Il attend dans un salon. Hein. De quoi? Mais il se fout de ma gueule. Putain, vas-y, fais venir, petit Astro. Fais venir, petit Astro. Bon, donne la parole, un petit instant. Mais bien sûr. Et voilà. Bonsoir, Astro, comment vas-tu? Allô. Il a toujours des interventions incroyables. Comment ça va? Il est obligé d'avoir 800 de ping ou ça se passe comment? Ah, faut concurrencer le Piscan. Il s'appelle pas le petit Astro pour rien. Lui. Tu t'appelles de la Lune. Toi, tu t'appelles Thomas, quoi. Vraiment le prénom dans. Okay. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ces interactions? Bonjour, petit Astro, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. T'es obligé d'être aussi loin de ton micro? Non, attends, là. Ah, là, c'est mieux, c'est mieux. Bien, ah, là, c'est mieux. C'est histoire que les gens puissent t'entendre, bien évidemment. Du coup, tu passes la soirée avec nous ou pas? Tu me dis, hein, si je dois augmenter le son. Bah, un tout petit peu, ce serait pas mal, surtout si tu gardes ce volume-là, en soi. Là, tu m'entends. Alors, ouais, non, mais là, tu satures, enculé.
Les aléas du direct, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Mon cher petit astro, du coup, tu passes la soirée avec nous ou tu passes juste en coupant nous dire un coup pas. Je veux pas, là, je suis crevé, j'ai des trucs à faire juste après. Ok. C'était juste pour dire bonjour, mais oui, je manque cruellement de temps en ce moment. Bonjour. Salut, toi. Et voilà. Est-ce que t'as envie de passer une soirée alien avec nous? Il nous en reste deux. Oui, il faudrait voir ma disponibilité. Eh bien, parce que le dimanche, je fais souvent des trucs et à la fin, je suis crevé de chez crevé et après, je me couche tôt. Ah bah ouais, je comprends, mais malheureusement, les cinératons, c'est le dimanche. Quand ça commence à 1h, ouais, à 1h, 2h du matin, mais... Mais ça commence normal, pas à 1h du matin, là, regarde, Cyrix, il m'a dit... Ça termine à genre 1h du mat, tu vois. C'est oui. Ah, d'accord. Mais au pire, tu sais quoi? Au pire, on le commence à 19h42. Ah, ouais, ouais. Bah, j'ai proposé pareil à Thomas. Thomas, il m'a dit, moi, écoute, y a pas de soucis et tout, je serais ravi de venir sur ta chaîne en plus pour pas parler de drama. Mais typiquement, si on pouvait le faire plus c'est tôt cool, que... Là, c'est... Bah oui. Là, c'est du contenu... Mais c'est pour ça que j'invite aucun... Ah mais c'est pour ça que j'invite aucun copain quand on est en train de parler de drama. C'est je préfère régler mes trucs, tu veux, et puis là j'invite non, les... Les copains, tu fais directement des vidéos dessus quand t'as un doute. mérité. J'ai la ref aussi, mérité. Mais du coup, ouais, enfin, si tu veux, dimanche prochain. Thomas, une fois, je suis venu sur son live, on s'est envoyé des fillons pendant quoi 30 minutes, et il en a fait une capsule, ce con. Mais tu sais que ça là, ce qui est en train de se passer, ça va devenir une capsule. Tu sais qu'il enregistre toutes les conversations privées aussi. C'est hein. Faux, putain. C'est pas possible. Disant qu'il se sent pas en confiance et que du coup, il enregistre tout le monde dans le doute. Mais qu'il vend de salope, c'est faux. Il paraît qu'il y a un enregistrement de toi pendant que tu vas pisser d'ailleurs. Il a monté le volume. Enfin, bref. C'est faux, il était pas en train de pisser d'abord. Et puis le volume il a baissé, il a commuté. Moi je me souviens il y a genre 2 ans, on avait trouvé Chisel qui était seul dans un vocal. Et il ronflait. Oui bah bien sûr, bien évidemment. Dormait, ronflait. Sache que plein de personnes de mon équipe m'ont enregistré pour se venger du coup. Je sais que par exemple. Oh, c'est pas cool. Mais quoi? Mais non, c'est trop drôle, frère, que j'en ai à foutre. Waouh, je ronfle pendant que je dors. Incroyable. Quelle honte, tu vois. Des trucs, moi, dans mes souvenirs, mais c'était incompréhensible. Je parlais un langage ancestral d'une autre dimension. Moi qui communique avec Zublu. Je parle l'aztec, en fait. Rien à voir avec, avec Thomas Durand. Le peuple, par contre. Je parle là. Il parlait, si tu veux, la langue de Pazuzu. Tu vois. De Pazuzu. Il parlait la langue. En fait, il parlait la langue, tu sais, avant que Jésus-Christ, tu vois, il arrive. Tu vois. Il parlait en fait des trucs. Tu te croyais dans, tu sais, le truc de le vers solitaire là, dans Dune, Shayulub ou je sais pas quoi là, en fait. Il était en fait, si tu veux, dans la même cantina que Han Solo dans Star Wars, tu vois, en fait. Et ce mec-là, il faut faire société avec lui. Et ses enfants, ils iront à l'école avec tes enfants à toi. Il y a Cyrix qui essayait de dire un truc. Non, moi, j'imagine vachement Chisel, en fait, quand il dort. Il parle un français impeccable académicien du 19e siècle. Wow. Vas-y. Je crois que je préférerais le voir parler allemand dans son sommeil, tu vois. Oh non, Madge, oh, pas ton balai dans mon postérieur, tu vois. Peut-être qu'il fait des rêves érotiques comme ça. Mais laisse-moi en dehors de ça. Non, ce serait plutôt ville pas le toqué. Boutons les Anglais hors de France, tu vois, ce genre de trucs. J'en fais plus. Du coup, mon cher petit astro, je te réserve la semaine prochaine ou pas? La semaine prochaine, c'est Alien Covenant. Ah non, c'est un film de merde, ça. On s'est promis. Peut-être Romulus, alors. Peut-être Romulus? J'avais quelqu'un pour oui, Romulus? Oui, c'est mieux, Piscan. Ta gueule. Alors, il y aura quelqu'un en plus. Je te prédis rien. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah alors, tu me dis. Tu me tiens au courant et tout. Mais t'as pas envie de venir cracher sur... Vas-y, dis-moi. Un de ces quatre, faudra faire soit un truc sur l'IA. Ouais. Soit un truc sur Alien Theory, tu vois. Mais frère, samedi prochain, on se fait un conspiraton. Ça t'arrange plus que le dimanche? Qu'est-ce que je fais samedi? Je sais pas. On va voir. Ok, d'accord. Sinon, c'est les mercredis. C'est juste que mercredi, là, de la semaine, je prends un jour de repos. Ouais, je vous l'ai pas dit, le chat. Vas-y, note ça, du coup. Mais du coup, voilà. Si t'as envie de venir pendant les Alien Theory et tout, péter un plomb, vas-y, let's go. Hein. Mais si t'as envie de venir aussi péter un plomb pendant Alien Covenant, frère, tu fais ce que tu veux. Bref. Bon, on va vraiment y aller cette fois parce que sinon, en fait, on va être vraiment en retard. Je fais un plaisir de te voir, petit astro. Je te fais des gros bisous.
on se tient au courant et puis fais des bisous à Zyuklo aussi. Fais des bisous. Faites des bisous ensemble. Mais on s'est rabiboché. Bon, très bien. on s'est tellement rabiboché qu'il doit venir sur scène pendant le concert des 6S. Hein ? Ouais. Ça va être très con. Ça va être très très con. Ça va être très c'est très quoi, con. Un concert. C'est un an. C'est comme une convention de youtubeurs, sauf que tu touches pas les mineurs. Je comprends pas. Tu vas faire un concert. T'inquiète, on en parlera. On en parlera. T'inquiète. C'est comme Bambi, mais en plus. Bon, je crois. Excusez-moi. Je n'ai pas suivi, je marque une fois par mois. Pardon, il y a approximativement 230 personnes qui me somment de vous dire. Vous nous dites si on vous dérange. Coucou le chat, ça va? Tu vas bien? à propos de ça, désolé de vous avoir dérangé, je m'en vais immédiatement. Ah putain, il a refait son coup, c'est bon, allez, on est parti.